Je m'appelle Baudin Berken, j'ai cofondé Ecoterie avec Vianney et Erwan. Comment expliquer Ecoterie à quelqu'un de 15 ans, mais je vais même parler à un enfant de 5 ans? C'est le concept de parraine un arbre et finance un arbre planté en France qui va être bien géré. On gère 500 hectares de projets forestiers un peu partout en France. On fait du boisement quand on récupère des anciennes terres abandonnées en friche ou agricole. On fait du reboisement quand on est sur de la forêt existante qui a subi des coupes non reconstituées. On reprend en gestion des forêts qui sont en carence de gestion pour les dynamiser et mettre en place de la gestion durable sur ces massifs. Via le site, en fait, on vous tient informé de toute la gestion qui est réalisée sur les massifs tout au long de l'année. Et même, on produit un rapport de gestion chaque année qui permet de rendre traçables les actions qu'on mène pour nos clients. C'est les enjeux de préservation, de la gérer durablement, de la renouveler, de transmettre ce patrimoine commun aux générations futures. Chaque forêt est spécifique et se traite avec une attention toute particulière parce qu'on doit intégrer tous ces paramètres-là quand on lance des projets. On a la chance en France d'avoir une multitude d'essences qui peuvent pousser sur nos sols. Il y a des particularités de sol à prendre en compte et donc on s'adapte à la nature des sols pour proposer le projet forestier le plus approprié. Sur nos massifs, de manière générale, on évite la monoculture, donc on est sur des polyessences. On retrouve tous les arbres qu'on peut connaître, donc ça peut être le hêtre, le châtaignier, le chêne, des catégories de pins, on retrouve de tout dans nos forêts. La forêt, c'est un cycle de vie où il y a un point de départ et un point d'arrivée. Et le point d'arrivée, c'est quand on coupe un arbre, chez Ecoterie, mais même quand on fait de la bonne gestion forestière, on en replante trois derrière. Donc on crée un roulement perpétuel qui régénère la forêt.